Comment faire un bon petit déjeuner avec seulement 4 ingrédients comme au pays? Actuellement, je suis en vacances et je voulais prendre un bon déjeuner bien garni. Tout d'abord, je vais ajouter de l'huile dans une poêle, des oignons. Je vais laisser au feu à peu près 5 minutes à feu doux. Ajouter 4 tomates, voilà, que j'ai découpées en dés. Je vais laisser mijoter à peu près 10 minutes à feu doux. J'aurai besoin de 6 œufs. Et ensuite, je vais les casser, hein. Actuellement, nous sommes dans un appart hôtel. L'avantage, c'est qu'on peut réaliser nos petits plats. Si vous avez la flemme d'aller au resto, vous pouvez faire vos petits repas. C'est vraiment top, hein. J'ai laissé mijoter 10 minutes à feu doux. Pour l'assaisonnement, j'aurai besoin du piment. Vous connaissez votre goût avec le piment. J'aime bien quand c'est bien épicé. Je vais ajouter une bonne quantité. Je trouve que ce piment est moins fort par rapport au vrai piment africain. Le piment africain, c'est la base. C'est bien épicé comme il faut. Bon, j'ai ajouté du poivre blanc, du cube. La quantité est facultative. Si vous n'aimez pas, n'en rajoutez pas. Vous mélangez environ 5 minutes à feu doux. Retrouvez toutes mes recettes en version longue et bien détaillée sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook, La Cuisine de Marina. N'oubliez pas de vous abonner. Là, c'est bon, ma tomate est bien cuite. Je vais ajouter les œufs. Vous allez bien mélanger le tout à peu près 10 minutes et vous baissez le feu. Quand je vais au Cameroun, j'ai mon endroit au marché Mokolo. Je vais voir mon Magida préféré. Je dis pardon, c'est moi. 2 œufs, spaghetti, sardine, piment. Bien pimenté là. Quand tu manges ça, oh, le goût de ça, ça te maintient durant toute la journée. Là, j'ai rajouté les pâtes. Bon, j'ai fait bouillir mes pâtes. Hein. Et voilà, je vais mélanger. J'ai baissé le feu. Je vais mélanger environ 5 minutes. Et voilà, la recette est prête. Oh là là, comment je vais bien me régaler. Vous-même, regardez comment c'est. C'est vraiment rapide et facile à faire. Hein. Ça m'a pris environ 10 minutes. Et après, vous pouvez passer à la dégustation. Mais avant, je vais faire une petite présentation. Voilà, regardez vous-même la vidéo. Et ensuite, je vais me faire un bon lait, voilà, avec du café. Bien chaud, comme au pays toujours, comme au pays, ah, le pays. Et un bon jus d'orange bien bio. Et voilà, la recette est prête. J'ai fini de faire mon petit déjeuner rapide et facile à faire. Si vous voulez un bon petit déjeuner qui va vous maintenir durant toute la journée, essayez cette recette, vous allez voir. Hein. Après, nous, on a remangé à quelle heure? Vers 19h, vu qu'on avait des activités à faire. N'oubliez pas de liker et partager, les amis. C'est très important de soutenir. À demain pour une nouvelle recette.